1351, l'estation fréquence de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, c'est tout cuiro dans les deux sens. Bonne journée à tous. Et bisous, petit Rémi. Ah, il est là, il est là, il est là. Les 73 à toi, comment vas-tu? Ok, d'accord, donc tu as décidé aujourd'hui de faire un petit tour du côté de la Gironde. Il faut bien revenir à la maison, mais il y a un moment quand même, parce qu'à voir que ça va aller au moins. J'avoue que je suis étonné de t'entendre ce matin. Hier matin, je suis passé à la même heure, ça, j'ai tenté le coup. Bon, personne n'a répondu, ou plutôt personne n'était là, ou je sais pas, peut-être les deux même. Eh bien, ça fait bien plaisir de t'entendre. Voilà, j'étais complètement perdu là sur la fin. Là, je suis presque en bas du pont d'Aquitaine, plus les QRM. Et 73-51, toi, la bonne journée, à plus. Ouais, j'ai réussi à te sortir un petit peu. Ciao! Allez, ciao! Quand je monterai là sur les 2000 mètres, le véhicule, pas de soucis. Hein.
Les Américains, et les Américains qui sont là. Et 73, 51, les stations de Dundee 33, effectivement, je suis pas loin. Quand on parle du haut, on en voit la queue. Salutations, des collègues. Et 73, la queue, elle est bien rangée dans le fond du slip. Alors, les détails, je ne veux pas les connaître. Hein. Où est-ce avec ta femme, dans mon chapeau? Je repasse le micro à Cyrano de Bergerac, je crois. Cyrano, vous êtes capable, hein, et 74, à d'une bière. Les 73, 51 retournés, voilà, je sors du pro là, juste un instant. Comme quoi, il y en a qui me connaissent bien quand même. Et quoi qu'entre jongler la nuit, le jour, il y a des fois, je sais même plus où j'habite. Enfin, si, mais je sais même plus. Il y a des fois, je me perds, je suis obligé de regarder où je vais parce que ça, puis à chaque fois, c'est des erreurs différentes, ainsi de suite. Hein. Mais là, ouais, là, c'est tombé pile poil. Donc là, j'arrive, je suis pas loin de la bretelle d'accès de la sortie 10. Je reprends, mais pile-toi au moment où je parlais de toi, c'est ça qui en fait sa maison. Je faisais la promotion de ta personne, alors pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as toujours un chapeau sur toi, et il paraît que même quand tu dors, tu es avec ton chapeau. Alors mieux que ça. Là où je l'ai surtout, c'est quand je vais sous la douche. Histoire de pas trop mouiller, je l'ai sur la tête. Ouais, c'est vraiment après, je ne veux pas savoir les débats avec ta femme et le chapeau, mais à mon avis, elle a dû faire déposer un drapeau blanc. C'est particulier. C'est vrai que le coup du chapeau, ça m'en pas petite explication pour Cyrano, décidément, je suis dans Cyrano même chose. Monsieur vient d'Australie, alors, c'est un fan du chapeau. Voilà, il protège cette comme ça des ondes radio, parce qu'en dessous, il y a de l'aluminium. Ça fait vous dire. Ouais, c'est un peu déguisé, là, qui tapisse les murs de l'aluminium. Ils mettent de l'aluminium sur leur casquette, c'est ouais, c'est particulier. Je dis illuminé, en même temps je me moque, mais ça fout, c'est peut-être une vraie raison médicale. Oh putain, j'ai passé là au-dessus du pont. Là, j'ai regardé un petit peu. Ben voilà, hein, comme à chaque fois à cette heure-ci, c'est bouché. C'est ah oh ben oui, tout le monde est à l'arrêt sur la rocade. Alors moi, ce que j'aime bien, attends que je décolle vite. Les gens, ils sortent dans le sens intérieur. Ils prennent des sorties 10 pour vite foncer, attraper le petit rond-point là qui est au niveau de la sortie 10 à côté intérieur et vite rebasculer sur la rocade. Alors là, il y a intérêt à foncer pour être sûr de passer à temps parce que tu te retrouves bloqué sinon. Mais là, oui, c'est le caca. Alors, entre ceux qui débauchent, ceux qui se promènent, ceux qui partent en vacances, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais les trois voies sont pleines. Hein.
C'est voilà. Au fait, je suis en train de faire une petite vidéo, puisque là, ils en parlaient justement. Enfin, quand je dis petite, je devrais arrêter de dire ça, parce que j'ai jamais petit chez moi. je me suis rendu compte après coup de la connerie que je viens de sortir. Donc, si ça dérange, il n'y a pas de souci. Hein. Je coupe, ce sera poubelle, c'est tout. Hein. Alors justement, tu parles de ça. C'est vrai qu'il y en a qui vivent de ça. Mais quand on regarde bien sur mes vidéos, elles sont toutes, et le forum avec d'ailleurs, c'est comment c'est, licence commune, un truc comme ça. Donc libre de droit, libre d'être utilisé, ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est du gratuit. Effectivement, c'est gratuit. C'est vrai qu'il y en a, ils font des vidéos, ils n'arrêtent pas. C'est impressionnant. Bon, retour à Cyrano. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, des conditions de trafic, c'est quoi là? Ok, alors là, dans le push, c'est un Lincoln 2+, donc dernière génération de poste. Branché sur haut-parleur extérieur, là, qui lui est posé là, sur le tableau de bord, et côté antenne, c'est une Wilson 5000. Ouais, je ne connais pas, quoi. Là, la tête, ça ne dit rien, là. Enregistrer le break. En plus, on est sur 19, ça fait compte d'y enregistrer le break. Au moins, ça veut dire que ça, qu'on l'a entendu, que son poste fonctionne. Alors, c'est une antenne américaine, tout comme les Striker. D'ailleurs, elles sont, ces deux antennes, la Wilson 5000, la Striker, je ne sais plus comment, là, ces deux antennes qu'on peut comparer. Elles ont toutes les deux une self plaquée argent, et elles ont toutes les deux un bon rendement, disons qu'elles sont bien conçues. Voilà, pour faire simple, elles sont toutes les deux très bien conçues et fonctionnent très bien. Alors, elles sont fixées par magnétique, hein, sans rétro. Alors, pour ma part, ni l'un ni l'autre, les trois solutions existent. Soit, moi là, je suis en perçage. Alors, elle existe en magnétique et elle existe aussi en version trucker. Ok, pour toi. Bon, pas de tourillon, oui. C'est ça le modernisme. Voilà, hein. Bon, mais... Et derrière, mais ça passe mal. Ah, il m'a semblé le deviner derrière. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas compris le fonctionnement du 19, c'est-à-dire forcément en AM, et que lui se trouverait en FM. Si pourtant là je l'ai entendu très QRP, c'était très bref, mais j'ai entendu quand même. Alors peut-être moi il m'entendra mieux. En avant la station qui a lancé le break. Allez voilà. Alors la station c'est tellement QRP que, puis en plus moi sur la rocade c'est pas évident avec les QRM et tout, que je suis même incapable de dire si c'est une station située, une station française ou étrangère. Voilà, ça passe mal à ce point là, mais bon j'ai pas mal de bois bas, hein. J'ai pas mal de trucs, de conneries, de saloperies là aussi sur la rocade, et la rocade de Bordeaux est dans un trou, donc ça m'aide pas trop à entendre. Ok Daniel, ok Centaure, les 73-51 toi. Bon ben salut, on va reconnaître 73 à toutes les amis. Et je m'étrangle. Affirmatif, et puis je suis pas tout seul. On est 3 ou 4, enfin 3 sur, avec toi 4. Plus une station qui arrive très QRP dans le lointain, mais beaucoup trop QRP, c'est bien dommage pour lui d'ailleurs.
Donc il y a Cyrano de Cyrano 24. Il y a là il va m'en vouloir. Ah là c'est sûr qu'il va m'en vouloir. Dès que je vais le croiser sur la route, si toutefois il est sur la route, il va pas me louper. Ok 73 Daniel, oui je sors du pro. J'étais à la grande usine à Mérignac. Je passe samedi soir, donc déjà ça c'est mort. attends, on n'est pas tout seul, il y a d'autres stations, je vais basculer le micro sur Cyrano qui lui fera suivre après sur l'autre station, dont j'ai accidentellement, catastropheusement oublié son prénom et son QRZ. À toi Cyrano. Je bafouille. Ça fait pas trop ça. Que je ressors plus ou moins bien, voilà. C'est des cas, des problèmes des QRM. Et je salue au passage, voilà. Et je vais retourner le micro à la station qui est sur Mont-Désir. À vous le micro. Yankee 33, c'est signal. Ok, Yankee. De Saint-Médard dont je veux parler, c'est lui, le NS encore. De Coyote là, qui sont mon désir, hein, voilà, et lui il t'entend pas, hein, il y a trop de QRM, ou sinon c'est, ça arrive à achever, il a du mal à te copier, voilà. Micro de retour, Daniel. Attends, il y a Yankee 33 qui vient de lancer un appel aussi. Ouais, salut, Yankee 33, je sais pas si c'est moi qui parlais en oubliant l'indicatif HI. C'est pas bien grave, voilà, mais je faisais juste un petit passage, là j'entendais du monde, mais je vais couper le moteur, là j'ai des petites courses à faire, donc je vous laisse en USO, et 73, là, tout le monde, là, qui est sous 19, il y a du monde ce soir, voilà, je te laisse tourner le micro, Dundee, puis à très bientôt. Ok, Yankee, non, c'était pas. À moins que ce soit toi qui parlais depuis tout à l'heure, là, depuis bien 20 minutes, avec Cyrano. Si c'est pas le cas, non, c'est encore une autre station. Oui, effectivement, il y a du monde. Puis en plus, j'ai le temps, je suis coincé dans les bouchons, donc c'est un vrai plaisir. Ok, Yankee 33, les bonnes sont 13:51. Bonne soirée à toi, bon week-end. Je serai de retour lundi, mardi en journée, je sais plus les horaires. Si, lundi 7h-17h, et mardi 6h30-18h30. Oui, c'est ça, là, sur Mérignac, au même endroit que là où j'étais aujourd'hui. Pour les nuits, Yankee, là, ben, pour moi, là, c'est mort pour tout le mois. Ça, c'est sûr. Le mois prochain, je sais pas encore. Donc, eh ben, dommage pour les petits QSO le matin à la débauche. C'était pourtant bien sympa, mais bon, c'est pas moi qui décide du planning. Les 73 Yankee, retour sur Senteur pour envoyer les 73 à Yankee qui passent en QRT. Ah là, ça va déjà mieux là. Bon retour, là, je ne sais pas si tu as rendu. Voilà, ben écoute, moi je suis en fixe, donc il n'y a pas de souci pour moi. Voilà, mais c'était très QRT là, voilà. T'as quel niveau là, Rémi? Je ne vais pas te faire la blague à deux balles, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce que je vois? 7. Je suis pas loin de la sortie 7. Ouais, j'aperçois un pont là devant moi. Ouais, voilà, j'arrive quasiment là sur la sortie 7. Celle où il y a la voiture en haut du totem. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ok, je vois. Ok, parfait, oui, bon, écoute, voilà, il y a pas mal de QRM là.
je vous demande par rapport au convoi, là, au convoi de l'espoir, je crois, voilà, c'est le truc là qui se passe en ce moment là. Donc c'est pour ça que j'étais venu écouter, voir s'il y avait un peu de mal qui était derrière, là, qui refuse ça. Alors, j'ai quelques infos. Tu sais que dans notre boulot, on a du temps libre. Oh bordel, qu'est-ce que je suis en train de dire là comme connerie. Bon, j'ai quand même quelques infos. Alors, si partout dans le monde, la CB est très utile pour ça, et les mecs, ils ont tout compris justement. Ils se passent les infos, et puis là-dessus, personne ne peut censurer quoi que ce soit. Hein. Le message, il est passé. Hein. Eh bien, ici en France, comme on comprend tout à l'envers, ils ont ouvert un groupe, un canal sur Zello, ils ont ouvert un groupe sur Facebook, ils sont tous sous haute surveillance à se faire censurer les messages et tout ce qui s'ensuit, et ils sont très contents. Donc, bon ben voilà, côté CB, je crois pas trop qu'il y aura... si on a quelque chose, ça sera du pas fait exprès. Ok, pour ça, Rémi. Oui, non, parce que je ne suis pas trop suivi, là. C'est dans les gens, en plus, j'ai vu une nouvelle de ces soucis, là, j'ai dit qu'il y a un certain temps de l'utilité, mais donc, voilà. C'est pour ça que je ne suis pas trop suivi, là, le départ de tout ça, donc, c'est pas évident. Voilà. Bon, écoute, je vais essayer de voir avec ce qu'ils en font, là, au niveau du... Ouais, mais de toute façon, il faut se douter que quelque part, ça est bloqué avec... Ouais, mais bon, ah oui, et puis en plus de ça, j'ai oublié un détail. Le fameux convoi, oh zut, j'ai zappé le nom, là, qui est repris, là, sur le même nom qu'au Canada et tout. Ici, là aussi, ici en France, il n'a rien à voir. Et d'ailleurs, le convoi de l'espoir, oh, je sais plus, de la liberté, oh, je sais plus comment c'est, bon, peu importe. En fin de compte, c'est plutôt le convoi des Gilets jaunes qu'ils auraient dû appeler ça. Puisqu'il y a même un message qui est passé, je ne sais pas si c'est... Enfin, j'ai vu une info passer là-dessus, comme quoi je ne sais plus quel responsable syndical et tout au niveau des routiers avait déclaré comme qu'il était hors de question qu'il participe à ce convoi qui n'a pas du tout le même objectif que celui des routiers. Donc là aussi, il y a un mini-mélo, il y a... Enfin bon, bref, tout ça, ça pue. Ouais, ok. Non, mais tout à fait. Je me suis mis carrément sur le truc là, de la page là, du convoi de la liberté. Ah oui, voilà. 2.0. Voilà. Alors, je sais pas, c'est surtout le Canada qui montre que c'est... Voilà, il y a... Affirmatif. Attends, on n'est pas tout seul. Je rebasculais le micro sur Cyrano pour voir si lui de son côté il a des infos. Je suis en train d'arriver à la sortie 5, Bordeaux Fret, zone de Bruges. Voilà, je suis en train d'arriver là. Ok, Cyrano, t'as des infos comme ça à tout hasard là de ce côté-là, puisque là c'est parti complètement dans du n'importe quoi là chez nous en France. De ce côté-là, aucune information, mais j'ai pas suivi le sujet là, qui a été discuté à la radio, là, puis à la télévision. J'ai entendu vaguement parler, mais après, je vais pas m'avancer sur les trucs que j'ai pas bien suivi. Hein. Voilà, micro au retour. Ouais, bah oui, évidemment. De toute façon, moi, c'est pareil, hein. Je m'en mêle pas non plus. C'est...
ils décideront de faire ça en utilisant la CB et tout ce qui s'ensuit, enfin les gens réalisent la réelle utilité de la CB. Bon, la CB, c'est pas que pour ça, non, évidemment. Mais ça sert de loisir et tout ce qui s'ensuit. Je veux dire par là que dans des trucs comme ça, le jour ils comprendront que ça peut être très utile et certainement plus utile que des machins bidules trucs qui passent par internet sous contrôle, censure et compagnie. Et bien là, ok, peut-être que je m'y intéresse un peu plus à ces manifestations. Mais là, pour le moment, quand je vois ça, c'est sans intérêt, on va dire. Enfin bon, c'est peut-être méchant ce que je dis là, mais bon, ça va, ils vont réussir à quoi ? À casser et encore casser. Bon ben, si c'est ça leur seul but, c'est pas très glorieux quoi. Cette modulation. Alors j'ai connu quelqu'un autrefois, l'Alsacien, qui avait cette même voix. Là, comme ça, sur le 19. Sur le 27, pardon. Il était aux aubiers au 17e étage. Il avait la même modulation. Mais là, j'ai un gros doute. Moi de mon côté, c'est des émetteurs qui passent par moi, là, voilà. Tant que je tiens le micro, je vais le faire tourner sur Coyote, il va se dire, qu'est-ce qu'il veut parler, là. Allez, Coyote, micro en retour. Coyote ? Il y a de la moustache. Ouais, ça me dit pas loin. Ok, oui, malgré que j'ai une vague de QRM, plus de la moustache, car on n'est pas tout seul. Je sais pas sur quel canal, il y a d'autres stations qui sont en train de moduler. Mais bon, je suis en train de m'éloigner d'eux. Je suis en train de m'éloigner d'eux. Donc les 73 Coyotes de Codéran, voilà, de la part de Dandy 33, je suis en train d'arriver en bas du pont d'Aquitaine. Ah, tu passes bien, mais... c'est pas grave. Oui, je disais, le Coyote, il est passé à QRX. Il revient de la fois 4 tout à l'heure, sinon vous avons les meilleurs chiffres. Ok, Dandy 33, tu penses à Crocodile Dandy. Bonjour messieurs, je viens de croiser la BAC. Tu penses à Crocodile Dandy, sauf qu'ici les crocos, on les aime pas trop et puis il fait trop froid ici pour eux. Et tu mets 33 à la place. Et l'autre là qui est en train de me faire une jolie petite queue de poisson. Bon ben c'est pas grave, ça c'est fait. Voilà, je suis dans la montée du pont d'Aquitaine. Les amis, tiens la station qui est derrière. Tu vois, et comme quoi, il y a du monde sur le 19, il y a du monde. C'est super. Ah, je suis dans la montée, je repasse le micro à la station là, qui vient d'envoyer les amitiés à tout le monde. Merci, les amitiés de François Double 3, QTH en baisse. En baisse, ok François Double 3, les 73, 51, Dandy 33, Rémi, voilà, dans la montée du pont. Merci, ok, les amitiés à tout le monde, je suis là. À bientôt, bye bye, bon week-end. Ok, les bonnes amitiés à toi, bon week-end à toi et à plus. Sur modulation, même la porteuse musicale de mon côté, sur l'autre girande. Bonjour à tous, la réunion, la station qui s'est arrivée, la réunion, la station de Vendée. Alors, retour de mon côté, la réunion. Ok, Daniel, ok, le Vendéen, les 73-51, toi, le Vendéen, voilà, je suis en haut du pont d'Aquitaine. Là, je domine, là, ça pousse. En plus, le pont en ferraille, la flotte en dessous, là, il n'y a pas mieux qu'en plein masse. Il faudrait que je m'arrête là, ici, en plein milieu. Là, ça serait super cuiro. Eh, mais toi, quand on a vendu des pilons là-bas, là, c'est du 100% mon côté, là, je suis très gros. Parce que, alors, c'est dur, hein, c'est un surmodule de tous les côtés, là, de mon côté, là. Allez, les bons chiffres à vous, les prudences et la bonne note. Ciao, bye. Les bons chiffres vendés à tous. Ok, le Vendéen. Bah, tu vois, Daniel, il y a un monde ce soir. Ça, voilà, tu l'entends. Je sais pas, t'as dû entendre le Vendéen, j'imagine. Tiens, retour à toi, Daniel. Il y a une porteuse qui arrive là.
comme quoi, toi, il y a des jaloux. Ah, j'ai trois coups. Ah, ça fait partie du folklore de la CB, c'est pas bien grave. On est sur le 19, c'est sûr. Bon, il y a le 19 avec son folklore. Là, tous les arguments de la CB conviviale sont réunis. Voilà. Ça serait sur le 555 que ça tirerait un coup de 12. Là, on est sur le 19, et ben ça fait rigoler. Là, mais là, de leur côté, apparemment, il y a une porteuse et moi, je n'entends pas la porteuse. Tellement que j'ai de QRM là, de ce côté-ci. Alors, attends, CRT, voilà, transport CRT, voilà, vas-y, je vais laisser passer. Alors, je suis dans la boîte d'accès de la rocade Est, c'est-à-dire sortie 1. Ah ben, du côté de la rocade Est, là aussi c'est pas mal bouché, puisque eh ben, on va finir à l'arrêt. Voilà, tout simplement. Bah c'est bon, ça me donne encore plus de temps libre pour être en fréquence là sur les environs de Bordeaux. Ah, je crois que Cyrano, là, tu dois être le seul à pouvoir m'entendre. Affirmatif, c'est toujours du 9-9-9 Radio 5. Waouh, ça marche. Ouais, mais là, ça passe, il n'y a pas de souci. Là, en plus, ça, sur le pôle là-haut, du côté de l'Ormont, c'est à l'oblique, là, c'est bon, là, tu te rayonnes. Ah ouais, et là, la seconde même, je suis en plein, là, sur la rocade Est, au niveau de l'étranglement de ceux là, qui arrivent du nord, là, pour après descendre la rocade. Et en suivant, après, quand je pourrais y arriver, j'attrape la sortie 26, direction Libourne, puis après Libourne, direction Castillon-la-Bataille. Ah, bah écoute, pour le moment, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, du 100% là. Ok, d'accord. Ah, il m'a semblé entendre parler derrière, j'en suis pas sûr, à moins que ce soit la propague. Attends, on va faire un coup d'essai. En avant la station, pour la Gironde qui est à votre écoute. Ouais, j'ai entendu parler en avant. Non, bah c'est par intermittent, c'est trop, c'est peut-être un autre QSO parallèle comme ça sur la route, hein, c'est possible. Hein. Ou alors c'est la propag, puisque tout à l'heure je suis descendu sur le canal 6 et j'ai vu qu'il y avait les Américains qui arrivaient plein pot. Hein. Le Vendéen, t'es toujours là ou t'es parti? Bon, ok, bon, vu que Daniel ne m'entend plus, lui, de son côté, à cause là, d'une porteuse musicale, il n'y a plus que toi, Cyrano. Ah oui, s'il est là. Ok, j'ai pas tout compris. Bon, bref, ok, j'ai compris que tu te casses. Je suis même pas sûr du mot que tu as dit. Que tu passais en QRT. Bon, je pense que ça doit être ça. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Ok, Daniel, les 7351, toi, bonne soirée. Et bon QSO ailleurs. Bon, ok Cyrano, là je suis en train d'arriver à la hauteur de c'est quoi ça, Peugeot Volkswagen, c'est-à-dire qui est juste avant, là, qui est pile à la bretelle d'accès, et avec en suivant les stations totales. Ok, mais t'as sorti là, du côté de Selon, là Non, c'est l'Ormont là. C'est l'Ormont là ici là. Oui, c'est ça, oui.
appelle, c'est dit ce nom, je vous comprends, quoi, c'est... Tu préfères arriver aux quatre familles, hein. Ouais. Avec les deux stations totales qui sont vis-à-vis, dont une qui est en chantier là, en ce moment. Et après, la sortie 26. Moi, là, c'est la sortie 26 là, que je vais attraper. Du moins, quand je pourrais, enfin, si, on est reparti. Hein. Je suis à quoi? Je roule à quoi? À 3 kilos. Ouais. C'est la route là, qui passe par-dessus, là, qui s'en va sur la 89, là. Oui, c'est ça, c'est celle-ci que je vais attraper, quoi. Attends, il y a une autre station qui est passée. Oui, en avant. Je sais pas si c'était la surmodulation. Oui, en avant la station sur le 19. Bon, Sertrouille, c'est peut-être un QSO qui est sur un autre canal là, qui m'a moustaché à fond. Hein. À l'occasion, ok, ça marche, je suis en bas, en plein sur la protale d'accès. Voilà, carrément en bas, et effectivement, je suis un peu caché là vis-à-vis de toi. Ok, les 213-51 toi, moi c'est pareil, j'ai passé en QRX. Et à la prochaine là-dessus, merci, bye, à plus, bon week-end. Ok, ça va très bien retourner, allez, bye bye. Merci, bye bye. Daniel, tu as l'écoute, elle est sur le 351 en tournée aussi, la bonne continuation à toi aussi, il y a très bientôt. Et ainsi que les 351 à tous les écouteurs. Hein. Voilà, je suis dans la montée de la sortie 26, là je commence à être un peu plus dégagé. Ok, merci pour de m'avoir accompagné sur la route jusque là. Merci, bye. Je pense que la pendule a dû bouger un petit peu au niveau de l'heure. Alors ça, c'est chiant. Ouais, je crois avoir 43. Bon, il est 39. Bon, c'est pas bien méchant maintenant. Mais les autres qui m'ont moustaché, ils sont où? Les mecs, ils sont sur la route, ils apprennent le micro quand ils en ont envie. C'est gazouillé un petit peu derrière, mais bon. Ça me casse les oreilles. Là, c'est une LSB. Ouais, je suis bien en LSB. Fréquence d'appel DX, USA, Canada et quelques autres pays aussi.
s'est calmée de ce côté-là. Là aussi. Un petit peu de propague. Après, c'est surtout l'endroit qu'il faut bien choisir comme ça quand on est en mobile. Bon, là, c'est assez QRP là, quand même. Je dirais plus du côté Italie ou un truc comme ça. Ah. Si ça revient. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le canal 6, c'est la cour de récréation aux USA. Comme le canal 5 supérieur avec les Italiens. Tout est permis là-dessus. Et ça fonctionne très bien comme ça en plus. Je baisse un peu le volume. Moi, ce que je vois d'intéressant entre le canal 5 supérieur des Italiens et le canal 6 normal des Américains, c'est que eux, leur cour de récréation, elle est sur un canal à part. Elle n'est pas sur les canaux d'appel, rien de tout ça. Et c'est là où c'est intéressant. Chez nous, les gens s'amusent et tout, déconnent dans tous les sens du terme, directement sur les canaux d'appel, que ça soit le 19 comme le 12 supérieur, pour, je sais pas, pour avoir le plaisir d'entendre tout le monde pester, râler et ainsi de suite. Je vois pas quel plaisir il y a là-dedans, mais bon. Alors que là, là tout le monde s'éclate. Tout le monde sait pourquoi ils sont. Enfin, tout le monde. Tous les Américains, ça peut. Quoi, Américains, Canadiens, bon, bref. Ils savent très bien pourquoi ils sont là. C'est le défouloir. Et tout le monde s'entend comme ça. Donc, moi, je trouve leur système pas mal intéressant. Ah, ça, c'est parti, oui. Je sors du boulot, ah, je vais me mettre un peu en mode pause. Oh, il y a du monde derrière. Ça c'est l'effet propague. Et 73, 51, 212. Je passe, ouais, je vais me mettre un petit peu au silence. Je passe en QRT.
À plus. J'ai pas pu résister. La poche de CB, c'est fait pour rester allumé. Étonnant que ce soit moins actif de ce côté-ci en BLU qu'en bas en AM. Ou plutôt moins fort. Ah oui, ça arrive moins fort ici. Ben. C'est moyen. Ah, c'est en train de monter un peu. Alors, quand on les entend, eux, le Canada est pas loin. Oh, you'll be, you'll have it, you know.
ça grimpe, ça grimpe. Dommage que ce soit pas sur les départements français. Sinon, ça ferait comme cet été. C'est une station locale. Et là, voilà, Sud-Ouest de France, il passe tout petit. Alors, je critique pas la station, loin de là. C'est comme quoi la pompe, des fois, elle est bizarre. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien, là, au BLU. Alors que plus bas, on a M, c'est la foire. Et voilà. C'est là où
Il y a un moment des questions à se poser sur comment il peut y avoir une telle propague ici et rien après plus haut. On change pas de bande de fréquence, hein. On reste sur 27 mégas quand même. Je suis à 50. Hein. Ah, c'est qui m'a pas vu. Voilà. Il m'avait pas vu avant ça. Ah, un courant exceptionnel. On va peut-être avoir la chance déjà de prendre le micro.